tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo EP numéro 2 de l'anime. J'ai trop trop hâte. Ok. J'avais trop hâte de voir ce que ça va donner et au final, vas-y. En plus, j'ai tout plein de trucs en réserve en attendant. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci d'ailleurs pour les personnes qui ont regardé la vidéo. Donc vraiment merci. Roxane, ok. Michio. Ça doit être un rêve à mon avis, hein, vu comment c'est retranscrit. Ok. Donc tout ça pour vous dire hein, merci, hein, on a fait 1400 vues et à l'heure actuelle, elle est en train encore d'augmenter. Donc merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc soit des découvertes d'animes, ou alors bien entendu, ça peut être des séries, des films d'animation. Il y a pas mal de choses, principalement des animes. Il y a aussi le film de Sword Art Online qui est arrivé. Donc j'ai vraiment trop hâte, mais le problème c'est que je veux le voir en VF, vu que la VO je l'ai déjà vu. Je sais pas, c'est à vous de voir. Le vol de sandales restera impuni. Je comprends pas trop là, on est dans un rêve, on est dans quoi? Wow, c'est quoi ces attributs? 9 ans, Mio. C'est clem. Y'a rien. Ça va. J'ai peur. Alors oui, le son, j'essaye de faire en sorte quand même que vous entendiez. Le problème, c'est que vous savez comment ils sont les clems de YouTube. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Ou alors, je peux très bien vous le mettre sur une plateforme, je sais pas, Google Drive, un truc comme ça. Pour soit vous ayez donc ma tête en tout petit avec l'EP, soit je sais pas. Je sais pas comment m'organiser. Mais je sais déjà comment ne pas avoir de claim, tout ça. Ok. Oui, parce que on va pas perdre de temps, on veut pas refaire une présentation, tout ça, voilà. Vous le savez, et puis même, ça sert à rien. On perd pas de temps, comme ça, moi, je vous fais pas perdre votre temps, et voilà. Mais est-ce que ça vous intéresserait que je mette un moment fort de l'anime, je sais pas, 5 secondes ou un truc comme ça, 5-10 secondes en début de vidéo pour donner vraiment envie, un moment fort, pas non plus un spoil hein, non plus, mais un moment fort qui peut retenir votre attention. Est-ce que ça vous intéresserait? Faut me le dire. Parce que si c'est 5 secondes, ça devrait le faire. 15 secondes c'est trop long, les gens ils sont là à dire oh là là, tu fais du putaclic ou des trucs comme ça, mais non. Waouh, il y a une meuf, on lui a coupé la tête. Je crois que j'ai ma miniature hein. On est là hein. Je couperai, t'inquiète, je zoomerai au pire. Wow. Oh, l'opening. Ok. Vous, en tout cas, vous aimez bien ce genre de... C'est un shoujo, d'ailleurs. Shonen, pardon. Mais par contre, l'opening, il est incroyable. Il est incroyable. Après, j'ai plein d'animes et tout ça qui peuvent être sympas, qui vont arriver, qui peuvent être intéressants. Le but, après, c'est soit des découvertes, soit une série complète. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. De toute façon,
Moi, je kiffe. Pour le moment, je ne peux pas faire les vidéos que je veux produire. Donc, voilà. Oh là 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 là. J'espère que je ne serai pas déçu de cette EP2 parce que le premier était, on va dire, ils ont été allés, ils sont allés tranquilles pour avoir un peu le contexte de l'anime. Mais de ce que j'ai vu, les avis sont positifs. Ok, toujours aussi sanglant cet opening. Hein. En même temps, c'est le même. Logique. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Miskana. Va bien? Ouais, tu vas faire dodo, je fais la vidéo et t'inquiète. T'en as pas là-bas? Ah ouais? Oh putain, je crois que c'est un élastique. Genre là, t'as pas d'élastique. T'en as un? Ok, donc ok. Là, on revient sur ce qui s'est passé. Ok. Donc voilà, après, c'est. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Miskana War Chronics qui sera en première ligne de description. Et bien sûr, la chaîne de mon frérot Sherwak qui fait aussi des live reactions pour ceux qui sont intéressés, mais de différents animes. Ou des fois, je lui donne des animes que moi je veux faire et du coup, c'est lui qui les fait. Bien sûr qu'elle est excellente ton arme. Putain, il la porte comme si c'était du polystyrène. Rappelle-moi de base une épée ça pèse combien? Je crois entre 2 ou 3 kilos. Une épée à une main. À une main ou deux mains? Ça dépend. Tout cas l'anime est vraiment beau. Trouver une arme. Ok. Donc l'arme que t'as, ça ne te suffit pas. C'est logique toi. Quoi? Quoi? Tout dépend de l'arme. Ok, merci. Une expertise qui m'a expliqué. Ok. Val forêt de l'Ouest. Changer de coupe ou de Ressacha du Bourg-Palais? Enfin... Wow, explorateur. Pardon. Explorateur, guerrier, chevalier. Ok. Trop stylé, l'animation et transition. J'avoue, ils se sont pas fait chier. Je vais apprendre, je vais pas mentir, ils se sont pas fait chier. Apparition, disparition. Apparition, disparition. Te pose pas de questions, va dans le labyrinthe et puis c'est tout. Putain. Je sens qu'ils vont en chier. Hein. Labyrinthe de Val, premier niveau. Ah, donc il y a plusieurs levels. Ok. Ouais, je gueulerai vraiment jamais, pratiquement pas dans mes vidéos.
Vraiment posé, posé tranquillement, pas de surréaction, rien du tout, vraiment de l'authenticité. Explorateur, niveau 1, je crois être devenu voleur en piquant de mes sandales. Explorateur, c'est quoi ça? Héros, j'ai gagné 5 ans. Ça m'a l'air pas mal. Ah, il est devenu. C'est quand il a aidé le monsieur dans l'épisode 1. Il va acquérir pas mal de niveaux au fur et à mesure. Ok. Destination. Petite salle de l'entrée. Ok. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, que vous allez comprendre avec le temps. Je vais essayer de devenir, on va dire, un peu un youtubeur réaction, vu que maintenant je sais comment m'y prendre, surtout que j'ai une bonne caméra. Et puis, je trouve que je m'en sors bien pour les réactions. Fais gaffe, t'es un monstre. T'as The Groot qui arrive. Non, y a un arbre qui fonce sur toi, mais c'est pas un ennemi. Tu réfléchis un petit peu. Oh! Ah, les doigts. Durandal. Ouais. Après, Durandal aussi, il doit être, ça doit être une bonne épée, un bon artefact. Il y en a d'autres, hein. Et puis même, ils doivent être level. Bah, ils sont level 1. C'est normal qu'ils sont. C'était quoi déjà? Waouh! Incroyable! Ça le fait bouger au ralenti, ou c'est moi qui suis plus rapide? Ça revient même en fait. Incroyable! Tu te bats avec un arbre. Oh, mais tu te poses trop de questions. T'as pas nous la faire aller, Izuku, quand même. Ok. Ils auraient pu mettre quand même un effet pour l'apparition des armes dans l'inventaire et tout ça. Ah, s'il y a des. Quand mes PM tombent trop bas. Ah bah fais attention à tes PM alors. Ok. Fait penser quand même à Kirito, le mec, hein. Pas se mentir. Waouh. Des branches. Ok. 273. Je reculerai jamais me payer Roxane. On ne paye pas une femme, hein. Ou même une servante. Dommage qu'on l'a pas vu sortir du labyrinthe. Il a dû en chier de base. Me fait penser à Danmachi. Ouais. Ça va bien, mes sorts de bonus. Ok. Téléportation. Ok.
premier niveau. Génial, ça a marché. Bah oui. Ah ouais, bah là. J'adore le bad mood. Voilà. En fait, il faut vraiment que tu... Ça va. Oh, ça va, niveau 5. T'avances, tranquillement. Oula, t'as découvert un truc. Pièce secrète. Un trésor peut-être, ouais, peut-être. Peut-être après ça peut être autre chose. Ça peut être... Tu peux être dans la merde. Voilà, ça, voilà, comme ça. Exactement. Allez. Dans la merde? Oui, effectivement, t'es dans la merde. Une tanière de monstres. Bah, c'est pas vraiment des monstres, hein, c'est des arbres. Je me demande si du coup, enfin, une sorte de rubis qui a haute tour du coup de l'épée de Durandal, est-ce que du coup il a une sorte de magie qui va s'illuminer et tout ça? Derrière toi? Tout cas, les OST sont plutôt pas mal quand même. Hein. J'espère quand même qu'on aura des monstres un peu plus intimidants. Ça craint. Mec, c'est des arbres. Donne-le de l'eau au pire. Sortons de ce piège. Ah, le piège, il me fait penser à dans Sword Art Online où. Où il est avec sa guilde et tout ça. C'est exactement ça. Sauf que là, il est tout seul. Oh, ça va, il sait bien se défendre, ça va. Ah bah oui, de toute façon, Kirito, il s'en était sorti. Dans... Il avait tué tous les monstres. Waouh. Bah, tu perds trop de PM. En même temps, t'as pas le choix. Bah, ils doivent pas t'encercler, c'est des arbres, frère. Ouais. Ouais, économise-toi un maximum. Fais tout ce qu'il faut. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ok. Mourir ici, c'est équivaut à mourir pour de vrai. Ouais, c'est vrai, bah oui. C'est vraiment Sword Art Online, le truc, hein. Avec un truc un peu plus... peut-être gore qui manquait à Sword Art Online, je sais pas. Et ça, oh, ça va. Il a réussi. Ah bon, là, il va se faire... Il va se faire pas mal de bifton, hein. Il a récupéré tout. Ouais. Putain, il aurait pas pu faire ça avant. Ouais, du coup, on voit pas vraiment les PV du coup de. Est-ce que du coup, ils ont une durabilité ou pas? Je sais pas, c'est à voir. Je pense que non. Oula.
Un cadavre de voleur. C'est vraiment dommage. Ouais, mais on dirait vraiment sur Kirito dans sa tenue. Possible. C'est possible. En soi, c'est possible. Wow. C'est quoi ton moyen le plus simple pour rejoindre Roxane? Oui. D'accord. Mais on a encore Doctor Strange là. Il nous dit bonjour. Il vous demande de vous abonner. Par contre, l'ending, il me fera toujours rigoler. Alors attends. Là, j'ai trop hâte de voir le P numéro 3 en fait. C'est beaucoup trop bien. Ce qui est bien, c'est que en vrai, ça démarre tout doucement. Ça vient pas d'un seul coup. Mais en tout cas, j'aime bien. Je sais pas si vous vous aimez, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Moi, je me dis que ça a beaucoup de potentiel. Après, on aime ou on n'aime pas ça. Vous n'avez pas à vous faire de soucis. Hein. On aime ou on n'aime pas. Vous devez juste être dans le respect. Et puis voilà. Allez. Moi, je vous dis, on se retrouve pour le P numéro 3. Si ça vous intéresse. Donc, ce sera de mon côté. Et puis, au pire, faut me dire hashtag suite. Pour ceux qui seront restés jusqu'ici. Et puis voilà. Le petit hashtag suite et ce sera vraiment très sympa de votre part. Allez, moi je vous dis, c'était Warconix. N'oubliez pas, longue vie à Faetel. À tous les autres univers d'anime. Moi je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine!